Salut tout le monde, c'est Fish. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans le mode créatif de Fortnite en compagnie d'un abonné où je vais tester son parcours. D'ailleurs, Zedrox, il était déjà passé dans l'une de mes vidéos précédemment en mode créatif, je saurais pas vous dire ça lequel, mais en tout cas, il est déjà apparu sur ma chaîne. Et donc aujourd'hui, je vais tester l'un de ses Death Run. Juste avant de commencer la vidéo, je compte sur toi pour exploser cette barre de pouces bleus, ça me ferait super plaisir. Et aussi de vous abonner et d'activer la cloche de notification si tu souhaites recevoir toutes les notifications en rapport avec ma chaîne YouTube, comme ça t'es sûr de manquer aucune de mes vidéos. Et aussi de me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Twitter, Snapchat ou encore même mon serveur Discord. Tous les liens sont en description, donc je te laisse checker ça. Et si t'as un parcours à me faire tester qui est super bien ou quoi, et que tu souhaiterais que j'en fasse une vidéo, n'hésite pas à rejoindre justement ce serveur Discord. T'auras un salon dédié et t'auras juste à poster des photos, à décrire un petit peu ton parcours, et après je t'ajoute un ami Epic Games, puis après je pourrais faire une vidéo sur ton parcours. Dans la boutique d'objets, soutenir un créateur code Shuto, S-H-O-U-T-O minuscule majuscule, ça n'a pas d'importance. N'oublie pas d'accepter, comme ça tu auras en créateur soutenu Shuto. Ouais Zedrox. Allo allo. Ouais. Ok. Donc t'es chaud gros, c'est bon, on est parti ou quoi? Bah ouais. Vas-y hop, hein, let's go, on lance, on va voir qu'est-ce que ça donne ta map. Et donc j'ai pas demandé, mais est-ce que ta map, enfin ton parcours que je vais tester, il est compliqué ou il est comment? Si tu peux le décrire un petit bah, peu. Bah c'est un escape game, ça va. Ouais, ça va. Il est pas trop dur. Ok ok, ça marche. J'ai même publié comme ça tes abos, ils pourront le faire. Ah t'as un code pour la map? Ah bah c'est cool, bah ok, bah là ce qui est sympa c'est qu'il a un code, du coup je pourrais vous le partager dans la description si vous voulez jouer dessus. Ou sinon comme d'habitude, il est en français, vous avez l'habitude. Mais au moins vous pourrez tester cet escape game si vous voulez le faire avec vos potes ou quoi que ce soit. Ok vas-y, je le rejoins. Bon bah let's go, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça donne. Ah ouais quand même, 94 000 Ok, ah ouais quand même. Là faut que je fasse quoi en fait? C'est quoi l'objectif là, faut que tu sortes bah, de la ville. Ok, ok ça marche. Le cube. Tu sais, ça serait sympa, genre que tu mettes un petit texte justement où tu mets l'objectif, tu vois, trouve la sortie ou quelque chose comme ça. Mais ok, bah ouais, après. Je comptais te le dire à l'oral, mais. Ok. Ouais, mais tu sais, pour les personnes qui veulent le faire avec le code, ouais. Justement, vu que t'as publié la map. Il y a des pièges ou pas? Pour pas que je sois surpris. Dis-moi. Ah on passe au-dessus. Ah, il y a un piège. Ok, donc la réponse est oui. Il y a plusieurs thèmes en fait. Attends, il y a s'active pas. Une ferme. Okay. Hop. Et là t'as déjà un indice. Regarde bien. Ok, donc là il y a une pièce. Ah, on peut aller dans le toit. Ok. Donc il y a moyen d'aller sur le toit. Oh, attends, t'as pas. Il manque que t'as fait un truc derrière, non? En tout cas, c'est pas ici. Hein. Ok. Derrière peut-être. Non, je pense pas que c'était ça. C'était au bon endroit ou c'était autre part? Bah là c'était juste pour te donner l'indice. Du coup tu vois où passer. Enfin... D'accord. Attends, j'étais rentré par où déjà? J'étais passé par. J'ai caché par des indices. Ah j'étais passé par là. Textes. Ah t'as caché des petits textes? Ok. Mm. Vas-y, je vais passer par là. Hein. Est-ce que t'as fait quelque chose pour passer derrière? Je vais monter en haut alors je vais voir qu'est-ce que t'as caché. Ah ici on peut monter. D'accord, intéressant. Ah d'accord. Le but c'est de prendre toutes les pièces? Non, les pièces c'est juste un bonus. D'accord, donc on est. Ben, je suis pas obligé. Ok, donc je suis pas obligé d'aller chercher. Le lampadaire. Putain. Je sais qu'il faut monter sur le lampadaire, je suis persuadé. Vas-y, je reviens, t'inquiète même pas que je vais monter dessus. Hop, je remonte ici. Et là, faut passer. Ok, sur le lampadaire. Ça passe. Ok, on est passé sur le lampadaire. Maintenant, je peux monter tranquillement sur la maison. Et là, il y a peut-être un passage, non? Ah ouais, c'est ouvert juste ici. Ah, t'es tombé? Mais non. Ouais. Aïe aïe aïe, coup dur ça, c'est drogue ça. Okay. Ouais, t'as fait plein de chaises. C'est quoi ce délire? Ok. Ah voilà, ah bah c'est bon, j'ai trouvé. Bah c'était ça l'endroit que tu voulais montrer. Pff, c'était chaud, ah ok. Donc là, je pense qu'on est sur la bonne voie. Non, faut pas monter là. T'as trouvé vite en vrai. C'est vrai, j'ai trouvé assez rapidement. Bah c'était plutôt évident. Bah c'est cool, hein. Tant mieux si j'étais rapide. Hop, ici. En tout cas, c'est sympa, hein, l'ambiance que tu donnes à de la map. Très, très sympathique. D'accord, ici, rien de spécial. Il y a encore une pièce ici. Ah, et donc là, on va changer de monde. Ah, on va rentrer dans un château. Ouais. Oh là là. Et il y a combien d'étapes à peu près comme ça? Il y en a 6, je crois. 5. 6, 5, ok. Et elles sont tous à peu près... Des plus longues et... Ah, merde. Je vais... Attends, je sais pas s'il faut que je fasse réapparaître parce que là, du coup, j'ai vu comme que je pouvais monter sur la porte. Je suis sûr, c'est ça en plus, non? What? Oh non. Oh, l'enfoiré! Oh non! Ah, j'ai pas vu! C'était ça?
C'est pas fait exprès. De quoi? Ah ouais, bah non. C'est ça. Non là, c'est pas fait exprès. C'est pas fini encore. Ok. Je pense que tu as encore galéré. Ah bon? Moi, pour moi, faut monter ici. Faut aller sur la porte là. Là, je pense que c'est au bon endroit. Il y a une sorte de labyrinthe, ok. Ah ouais, ça nous a amené ici, c'est ça. Ah d'accord. Bah, je vais pas y aller, hein. Je vais pas te mentir que je suis pas trop chaud. Faut aller derrière, à mon avis. Ah, attends. Y'a moyen que ce soit ça, non? Yes! Ouais, bien joué. C'était ça! Oh là là! Eh, ça passe, hein! Je me démerde pas mal. Ah ouais, du coup, tu passes du premier coup sans problème. Ok. Ouais, let's go, ça fait plaisir. Bah, si je prends de l'élan, je pense que ça devrait aller. Voilà. Ok. Let's go, on a le checkpoint, on est maintenant à la deuxième ou troisième étape. La deuxième étape, il me semble. Merde. Mais non, mais t'es sérieux, Zadrox? C'est ta map, hein. T'as pas le droit de te fail. What? Indice, les bottes de foin sont suspects. Les bottes de foin sont suspects? Qu'est-ce que... Les bottes de foin... Attends. Les bottes de foin sont suspects. T'as caché quelque chose? Attends, je te donne un indice pour la suite. Ouais. Compte bien quelque chose. Compte bien les tracteurs, allez, je te le dis. Les tracteurs? Ah ouais? Ouais. 1, 2, 3, 4. Ok, 4. Mais au pire, si c'est pas 4, ça serait autre chose. Ok, donc là, on est passé. Ah, bah cool, j'avais pas vu. Donc c'est là qu'il faut passer, j'imagine. Yes! C'était exactement ici qu'il fallait passer, j'en étais sûr. Ah non, mais je suis mort. Trouvé, la botte de foin là. Hein? De quoi tu parles? Ça? Qu'elle rebondit. Ah ok. Ah mais j'ai même pas fait exprès. Hein. Combien y avait-il de tracteurs? Alors en fait c'est entre 4 et 5. À mon avis j'en ai raté un parce que j'ai pas cherché à compter. Bon bah écoute, y en avait 4. Hein. Je m'étais pas trompé. Tu vois, mais que je m'étais pas attardé là-dessus. Je pensais que ça allait être bon, mais non, il y en avait 4. Ouais. Je vais quand même bien compter. Attends, mais j'arrive même pas à monter gros. Attends, j'arrive même pas à passer là comme on est censé faire. Ok, c'est bon, je suis passé, j'arrive. Alors, je dois passer où? Combien y avait-il de tracteurs? Bien évidemment 4, ça me semble plutôt logique. Hein. Comment j'aurais pu me tromper là-dessus? Ok, donc là, on a pris le checkpoint. Et on arrive dans... Ah ouais, t'as mis comme ça, en fait. Ah d'accord, c'est Drox. Ok. Je fais attention au piège parce que je me le suis mangé une fois. J'ai pas été le caché. Ok, c'est bon, on passe. Attends, t'en as mis plusieurs? Non, c'est bon. Ah, il coûte dur, Zedrox, non? Un petit peu. Ah, mais gros, t'en as mis partout des pièges au plafond. En plus, on les voit même pas. Ah, il est content, Zedrox. Il a réussi son petit piège. Vas-y, attends, j'arrive. Alors, où sommes-nous? On a un nouveau checkpoint. Ça comptait pas comme une étape, hein, le... Ici, j'imagine le couloir. Non. Ok. D'accord, il y a une porte ici, intéressant. Une porte bloquée. Hop, ça, on ferme. Ensuite, je pense avoir trouvé. Hein. J'ai cru avoir capté un truc. Ah bah si, la sortie, c'est obligé qu'elle est là. Là, je suis servi pour ça qu'elle est derrière. Attends, je vais quand même regarder. Ah ouais, en fait, fallait quand même passer ici. Je suis un sgeg. On peut s'accroupir. Non? J'ai l'impression qu'on peut s'accroupir et passer par là. Bah moi, je serais bien chaud pour passer par là. Je me disais bien que c'était possible. Hein. Ok. Et là derrière t'as caché quoi? Ouais non là c'était juste pour faire semblant. Ok. Donc là je passe la porte de l'autre côté. Je redescends. Maintenant la porte elle est libre. Et je peux monter dessus je pense. Ok c'est bon. On est passé, ça fait plaisir. What, c'est quoi ce délire? Attends. Je peux avoir le chemin d'ici. Tu veux que je te montre? Vas-y, je regarde. Ah ouais, ah. Vas-y, montre-moi ces drogues, comment on fait? Ah ouais, tu me fais stresser. Ah, je le fais stresser. Bah d'accord, fallait le dire tout de suite, hein. Sympa. Hop. Hop, oh, ces drogues, je suis passé. Aïe, aïe, coup dur. Hein. Coup dur pour ces drogues. Et là, t'as pas le droit, t'es obligé. Ouais, il est là. Ok. Je regarde quand même en dessous, hein, si tu cherches un brain, on sait jamais. Bon bah du coup je vais devoir m'embêter à faire toutes les fenêtres, en plus je suis pas sûr. Ah bah attends. C'est pas dans une fenêtre comme ça. Ah c'est pas dans une fenêtre comme ça? Non. Ah c'est dans un truc comme ça alors. Ouais. J'avais pas dû te dire. Aïe, coup dur face des drogues encore une fois. Ah ok, ah, j'ai galéré à trouver. Ok c'est bon, on est pas... Oh, il y a un bug. What? Ok, on est sur le toit de Tilted. Donc j'imagine que...
Ok, c'est un brain encore. J'ai testé de l'autre côté. Ah l'enfoiré, j'allais perdre mon temps. Ah non, c'est pas ici. Oh. C'est ici, mais... What? Mais... Il faut quelque chose. Il faut quelque chose. Comment tu peux sauter de deux comme ça? Avec un launchpad. Ou de la glace. Ou de la glace. C'est-à-dire qu'il y a un bloc de glace caché quelque part. Il y a un trou ici. Oh. Ah ouais, ça c'était bien caché. Dégage. Ok, allez, on va se dépêcher, sinon j'aurai pas le temps de passer. Et ok, c'est bon, on est passé. Impeccable. Là, on est vers la fin bientôt, non? Ouais. Ok, ça. Avant-dernière. Oula, qu'est-ce que tu m'as fait? Il y a peut-être un passage derrière. Ah, on peut pas voir. Ah là, il y a un trou. Non, ça c'est une erreur de construction. On a rien vu. Là, il y a un... Ah, il y a un trou dans le tapis. T'as vu ça, Zadork, c'est un trou dans le tapis. C'est fou, hein. Non, t'inquiète pas, moi, ma luminosité, elle est à fond, quoi. C'est pas dérangeant. Bon, du coup, je sais pas si sur la vidéo, vous verrez très bien où sont disposés les blocs. Mais bon, c'est pas grave. On est passé et on a déjà le checkpoint. Ah ouais, cette étape, du coup, je te l'ai fumé, en fait. Tu t'attendais pas à que j'aille aussi vite. Elle était facile aussi. Ah, d'accord, elle était facile. La Zadork, il est pas bien, allez-y, que je vais finir la map un peu rapidement. Ah, il y a de la glace encore là-bas. Oh merde! Nice! Ok, c'est bon, je suis passé. Alors maintenant, il y a plein de glace. Ah ouais, mais j'aurais dû me renseigner avant. Enfin, je sais qu'il faut aller là-bas, mais... Ok. Vas-y, passe si tu veux. Je trouve qu'il faut pas ressortir. Attends. Ah, fallait pas ressortir! C'était pas vraiment par ici, l'entrée. J'étais en train de me casser la tête alors que fallait passer par le piège, vraiment. Ah ouais, je sais, j'ai vu le piège. J'ai oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose. Ah, le piège. Non, dans la salle du... Ok, GG. Ah bah. Bah non, là j'ai gagné, non? Oui. Ouais, mais là. En fait, j'avais caché une gourde du bras pour le piège plus facile. Ah, ok. Ah bah ça va, en vrai, j'aurais été super rapide. En 25 minutes, si tu veux savoir. Let's go. En espérant que cette vidéo vous a plu, je le répète encore une fois, si toi derrière ton écran t'as un Death Run, un parcours à me proposer, ou sinon si tout simplement tu sais participer dans l'une de mes vidéos, je te laisse checker mon serveur Discord qui est en description, où tout sera expliqué dans une annonce dans certains channels spécifiques. À Zedrox d'ailleurs, il vous dit au revoir. Super sympa quand même, Zedrox. Et aussi, je vous invite à exploser cette barre de pouces bleus, ça me ferait super plaisir de t'abonner et d'activer la cloche des notifications si c'est pas encore fait, comme ça tu recevras les notifications de toute mon activité sur ma chaîne YouTube, et aussi de me rejoindre sur Twitter et sur Snapchat. Dans la boutique d'objets, soutenir un créateur, code Shuto, S-H-O-U-T-O, minuscule majuscule, ça n'a pas d'importance. N'oublie pas d'accepter, comme ça tu auras un créateur soutenu, Shuto. Sur ce, moi et Zedrox, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. On vous dit à la prochaine. Allez, ciao!